Bonjour Marielle Massé, merci d'avoir Bonjour. accepté cet entretien pour évoquer à partir de votre œuvre le thème de la relation. Donc vous êtes spécialiste de littérature française et essayiste. Vous avez publié de nombreux ouvrages, parmi lesquels on peut citer les derniers parus aux éditions Verdier. Donc Sidéré, considéré, migrant en France en 2017. Et Nos cabanes en 2019, dans lesquelles la question des liens qui nous unissent est centrale, de quoi sont faits ces liens, notre relation à l'autre, et à qui et à quoi voulons-nous nous attacher. Alors la première question que je souhaiterais vous poser concerne l'attention portée aux vies des migrants que vous abordez dans Sidéré, considéré. Il y a un mot qui me hante depuis longtemps et qui a été réactivé à la lecture de votre ouvrage, c'est le mot scrupule, qu'on a un peu l'habitude d'employer, pas à tort et à travers, mais pour, sans trop d'émotion, pour dire voilà, qu'on a des remords. Or, littéralement, un scrupule, c'est un petit caillou pointu qui se glisse dans la chaussure. Et je me disais que l'image était assez forte quand on rapporte ça aux relations humaines, parce que ce petit caillou, il devrait nous gêner, nous empêcher de faire avec. Or, on tient souvent la souffrance des autres à distance, on l'invisibilise, on fait avec. Et donc, est-ce que c'est ça notre plus grand ennemi? Est-ce que c'est l'inattention? Merci pour cette écoute, justement, de la précision de la parole, parce que moi, dans ces questions qui se posent aux endroits les plus, à la fois les plus douloureux, puis en même temps les plus vifs, les plus exigeants, de la société contemporaine, je n'ai qu'une arme ou qu'un instrument. Effectivement, c'est la parole et c'est le soin pris à décrire, à parler. Il y a plusieurs aspects dans votre question. La question des scrupules et celle du faire avec. À propos des scrupules, oui, c'est un mot qui m'importe beaucoup. Alors, en effet, le scrupule, c'est pas quelque chose qui porte sur un. C'est pas comme le regret ou le remords, quelque chose qui porte sur une chose passée. C'est une disposition présente et future, c'est quelque chose qui a à voir avec les égards, avec le tact, avec la délicatesse, poussée un peu à leur excès, presque jusqu'à la peur de toucher, ou à la peur de mal toucher. Il y a un mot que j'aime associer au scrupule, c'est l'audace, c'est-à-dire vouloir imaginer autrement, vouloir se rapporter autrement. Et peut-être que là, on est au cœur de la question des attitudes possibles de l'écriture lorsqu'elle porte sur le réel et qu'elle cherche à avoir le plus de loyauté possible à l'égard du réel. Pour moi, c'est pas seulement la prudence et l'inquiétude, c'est aussi l'audace à imaginer, à porter des colères quand elle le mérite. Et donc j'aime bien cette association des scrupules et de l'audace. Et en effet, l'ennemi dans ce cas-là, c'est l'inattention ou c'est l'inattentif qu'on a aussi à l'intérieur de nous. C'est-à-dire celui qui regarde pas, c'est celui qui voit pas le problème, celui qui voit pas la différence. Et dans votre question, il y avait un autre aspect qui était l'idée de faire avec. Alors c'est une formule qui est drôlement intéressante et qui est très présente aujourd'hui. Vivre avec le trouble, dit par exemple Donna Haraway, ou faire des choses les uns avec les autres, vivre ensemble, etc. Faire avec, c'est une expression qui a plusieurs sens, qui disent un peu la situation très embrouillée. La situation politique et morale est très embrouillée, dans laquelle il faut s'obliger à se tenir. Faire avec, c'est à la fois ne pas faire contre les autres, c'est en même temps faire ensemble,
Et puis faire avec, ça veut dire aussi s'accommoder, se savoir compromis, se sentir compromis dans le réel, ne pas penser qu'on puisse s'extirper d'une situation aussi, aussi invivable ou aussi pourrie soit-elle. Voilà, on doit faire avec. On est de plus en plus conscient que les situations de vie, les paysages auxquels on a affaire, ce sont des grands emmêlements de lignes de vie et de lignes de mort, et on doit faire avec. Alors, ça prolonge ce que vous disiez, mais dans considérer, vous décrivez deux regards, deux émotions qu'on peut éprouver hein, face à la situation dramatique des migrants. Et tout le mouvement de ce livre, j'ai trouvé, enfin, toute cette trajectoire intérieure aussi que vous nous permettez de faire, et d'abandonner la sidération au profit de la considération. Pourquoi est-ce qu'il y a un enjeu politique dans la considération? Déjà, la sidération, c'est une émotion politique parce qu'elle n'est pas du tout entièrement négative, même si dans le livre, j'invite à passer de l'une à l'autre. Ce n'est pas pour abandonner la sidération, parce que la sidération, c'est-à-dire le fait d'être désarmé, médusé, presque rejeté ou tenu à distance par un état de réalité, c'est aussi un tremplin vers une rébellion, vers une transformation de ce à quoi on tient. C'est déjà un tremplin vers une colère. Je dis que c'est déjà une émotion politique parce que selon qu'on la draine vers la colère et vers le partage ou vers l'immobilité et le sentiment d'impuissance, ça soutient des idées de vie sociale différentes. Et ça nous porte au dehors ou au contraire, ça nous referme. Mais en effet, dans ce livre, j'ai essayé de travailler un trajet entre ces deux émotions pour inviter à sortir de cette émotion de sidération qui a sa force, qui par exemple nourrit l'empathie, l'envie de se rapprocher, mais qui peut aussi effectivement arrêter, immobiliser, méduser, placer sous le signe d'une étoile néfaste, donc arrêter. Et j'ai essayé d'accompagner un trajet intérieur, un trajet par les affects, par les représentations, par les mots, vers la considération, qui est le fait, qui est une émotion scrupuleuse, justement, qui est le fait d'observer avec attention, de tenir compte, de prendre acte d'une chose. Et la force de ce mot, elle ne m'est pas apparue, disons, comme ça, depuis un jeu de mots, simplement depuis rien, elle m'est apparue parce que dans certains textes de loi, et notamment dans un certain arrêté municipal qui avait été mis en avant par un groupe de penseurs et de militants, le PERU, le pôle d'exploration des ressources urbaines, ce mot revenait plus de 100 fois dans un texte qui justifiait un acte d'expulsion d'un bidonville, Rome. Et ce mot scandait donc la justification juridique de ce qui apparaissait comme un acte de destruction, considérant l'indignité des conditions de vie, considérant l'insalubrité du lieu, considérant, considérant, considérant. Et à la lecture de ce texte, quand on a une oreille, je dirais même pas littéraire, mais simplement une oreille grand ouverte à la façon dont les mots sonnent justes ou pas, ce considérant-là, il apparaissait comme un grand manque de considération, un grand manque de considération pour le concret des vies, pour la réalité des vies qui se tenaient là, qui ne méritaient pas, disons, d'être simplement évacuées, déplacées, mais qui méritaient qu'on regarde ce que les gens avaient tenté de faire, ce qu'ils avaient bâti effectivement, les liens qu'ils avaient déjà noués
et qu'on se dise que la réponse à une situation de misère ou de grande difficulté sociale, ce n'était pas la destruction d'un campement qui allait se reconstruire 500 mètres plus loin, mais c'était d'accompagner des situations où quelque chose a commencé à se bâtir. Et de ce point de vue, moi, j'ai appris beaucoup, beaucoup du regard très audacieux, justement, très audacieux que le Pérou porte sur les situations qui, d'ordinaire, apparaissent dans les médias, dans un registre qui est toujours le même, qui est celui de la boue, de l'indignité. Cette notion de considération, je l'ai trouvée intéressante, disons, parce que c'est à la fois un mot de la perception ou de l'attention, un mot du droit, du registre juridique, un mot de la morale, si on veut. Et c'est une invitation à lutter contre l'étrange, comment dire, affect ou émotion qui souvent nous tient et nous terrasse un peu, qui est qu'on n'arrive pas à tenir les vies vécues sous conditions de violence ou de détresse absolue pour des vies absolument égales ou comparables aux nôtres. Alors évidemment qu'elles sont incomparables en termes de conditions de vie, mais ce sont des vivants et des grands vivants. Ce ne sont pas des spectres. Leur vie n'est pas mise entre parenthèses, c'est la leur et ils n'en ont pas d'autres à disposition pendant tout ce temps-là. Donc c'est l'envie de se relier, de s'éprouver égaux. Et donc de nourrir encore plus le désir de susciter d'autres images, susciter d'autres récits, des récits qui sont toujours surprenants, parce que le migrant, on lui suppose toujours une trajectoire. C'est très difficile parfois de se souvenir tout simplement que parmi eux, il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de diplômés, il y a beaucoup de gens qui font et qui savent faire beaucoup de choses. Je reçois là à l'instant, c'est un signal qui a sonné, un message de Sébastien Thierry, mon camarade du Pérou justement, qui en ce moment suscite un appel auprès des cinéastes pour qu'on rassemble ce qu'il appelle les images manquantes. C'est-à-dire les images de l'hospitalité effective lorsqu'elle s'exerce. Donc qu'on fasse circuler d'autres images et d'autres récits qui permettent justement de savoir à quel point ces vies invivables sont des vies vécues. Donc que ce soit dans Sidéré, Considéré ou dans nos cabanes. Il me semble qu'à chaque fois, vous questionnez aussi nos façons d'être ensemble, de nous lier, de nous nouer, pour reprendre le terme que vous employez, autrement que dans des nous sans consistance ou dans des nous assignés. Et des mobilisations comme Nuit debout ou la ZAD Notre-Dame-des-Landes incarnent en quelque sorte cette réinvention du nous. Qu'est-ce qui se joue ici? Alors, je dirais encore plus la ZAD que Nuit debout, parce que sur la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes, se sont installées des vies et des gens ont en quelque sorte prouvé que d'autres manières de faire, de travailler, d'habiter, etc., étaient possibles en le faisant. Et je trouve que ça vaut le coup de suggérer que ces espaces-là, ce ne sont pas des espaces périphériques, ce ne sont pas des bords de ce qui serait une vie normale. C'est la preuve d'autres façons de faire. C'est l'épreuve et la preuve d'autres façons de faire. Il y avait une formule de Jean-Christophe Bailly qui m'avait beaucoup frappée, convaincue, impressionnée dans Le Dépaysement, ce livre qu'il a écrit sur des États de France, disons. Et c'était en regardant notamment certains jardins ouvriers à Saint-Étienne,
le soin qui est apporté, la différence de toutes les petites cabanes qui les bordent, qu'il avait cette formule du fait que ces lieux-là étaient à la fois la frange et la preuve d'une autre ville possible. Et j'ai aimé ça, cette idée, la frange et la preuve. C'est-à-dire que ces espaces autres, en fait, ils sont une preuve. Ils sont pas juste des espaces mineurs ou des espaces de compensation. Ils sont la preuve qu'on peut faire autrement. Et en effet, moi, le souci d'ensemble de ces deux petits livres qui viennent après des travaux plus longs, plus documentés, plus savants, moins poétiques peut-être aussi, des travaux, disons, de sciences humaines, où je me suis beaucoup penchée sur la question des formes de vie. Et ce qui fait de cette, enfin, sur ce qui fait de cette question peut-être la question centrale de la modernité sociale, politique, ce qui en fait l'objet même de notre espoir de bonheur, de nos revendications, le lieu même de nos critiques, parce qu'il m'est apparu, et ça n'a rien d'original, hein, mais que dans toutes les dernières mobilisations, les mouvements Occupy, Nuit debout, etc., l'enjeu même, c'était justement de réclamer d'autres formes de vie, de les réclamer au sens de dire que c'était ça l'objet de la mobilisation, que c'était ça l'objet de la politique. C'était de dire on a besoin d'autres formes de vie, on veut s'y prendre autrement avec le travail, avec l'éducation, avec les formes de relations, avec les formes de la ville, avec les manières de consommer, etc. J'ai commencé à réfléchir autour de ces pronoms nous et à mettre au cœur de ce pronom-nous, de ces états du pronom-nous, et à mettre au cœur de mon travail d'écriture, disons, le désir de penser les liens, de les pratiquer dans la parole aussi, parce qu'on est aussi attaché par la parole, attaché ou détaché par la parole, par le soin qu'on met à la parole qu'on s'échange entre nous, par les états de pollution qui peuvent venir de certaines façons de se parler et de s'entretenir qui, au contraire, coupent les possibilités de faire un espace commun. Et cette question des liens, pour moi, elle n'est jamais dissociable de celle des déliaisons. Elle n'est jamais dissociable de celle des liens dont on ne veut pas et dont on a le droit de ne pas vouloir. Je crois que ce dont on crève depuis déjà un moment, mais c'est encore plus manifeste, évidemment, avec ce que certains ont vécu pendant le confinement, ce qui se confirme dans d'autres moments de privation ou des effets de punition comme peuvent l'être les couvre-feux, les interdictions, etc. Ce dont on crève, c'est de l'absence de lien, de l'absence de ces liens qui nous font aimer la vie, en fait, qui soutiennent notre amour de la vie, les liens qui font sens. Et en revanche, on reste bien tenu par des liens peut-être mortifères, hein, par des façons d'être tenu, par des formes de dépendance, par des types de communautés qui, en effet, sont des liens dont il faudrait pouvoir s'émanciper et pour respirer. Alors, comme je n'ai à ma portée justement qu'un travail de parole et un travail sur la parole, mais je crois que c'est pas rien, parce que vraiment cette idée que nous sommes aussi reliés par nos manières de faire la parole, disons, j'y crois vraiment. Et donc j'ai entrepris ce travail un peu technique aussi, mais je crois ouvert et actuel sur ce que c'est ou ce que ça pourrait être que le pronom nous. Je crois qu'on entend un appel du pronom nous très fort depuis quelque temps, mais que ce mot, comme beaucoup d'autres, il peut faire l'objet d'une confiscation. Ce mot, comme d'autres mots, comme le mot peuple ou comme le mot cabane,
il peut réchauffer peut-être un peu trop vite. Et donc, j'ai voulu à la fois soutenir les désirs de dire nous et puis travailler sur ce que ce serait qu'un nous bien formé ou un nous mal formé. Quels sont les nous désirables, protecteurs, émancipateurs, et quels sont les nous trop vite noués, trop vite configurés. Et donc, c'est un travail sur la langue, sur la grammaire, sur l'audace des poètes aussi qui m'y a aidé. Et alors, vous évoquiez justement le poète. Vous avez dit que le poète nous réarme en perception, en désir de lutter. Que peut justement le poète ou l'écrivain dans ce monde abîmé? Est-ce qu'il a le devoir d'entrer dans l'arène? Quel est son rôle? Vous parliez de colère aussi tout à l'heure. Oui, alors je me méfie toujours un peu des questions en que peut la Oui. littérature, parce que c'est presque c'est une question qui est pipée dès qu'on l'a posée, parce que c'est trop lui demander ou trop peu lui demander que de lui demander ce qu'elle peut. Parce qu'aussi bien elle peut beaucoup en changeant nos désirs, en changeant nos imaginaires. Pour moi, c'est important cette idée de transformer les désirs. Moi, je dois à certaines rencontres, mais aussi à certaines lectures, le fait de désirer d'autres choses, d'autres formes d'abondance, par exemple. C'est l'échange avec Gilles Clément, qui est voilà, le premier jardinier de France, enfin, qui m'a convaincue de ça dans le désastre écologique. On n'est pas obligé de désirer du peu, du pas grand-chose, du frugal. On peut aussi désirer d'autres abondances. Beaucoup de temps, beaucoup de liens, beaucoup de beauté, par exemple, dans nos paysages. On peut vouloir d'autres formes d'abondance que celle de la possession. Et j'aime cette idée-là, et je trouve qu'elle aide à elle aide, enfin voilà, désirer, ça aide à orienter ses gestes. J'aime bien utiliser en effet ce vocabulaire de l'armement ou de l'équipement, parce que je pense que c'est pas rien d'être nourri par des phrases qui soutiennent, qui augmentent les puissances et qui sonnent justes. Ceux qui m'ont donné envie de penser comme ça, ce sont en effet des poètes en colère, le premier étant peut-être Baudelaire. Et il y a ensuite Ponge et Pasolini. Pasolini et sa rabbia poetica, sa rage poétique. La rage, c'est aussi un vaste poème de Pasolini où il est question à la fois de beauté et de risque nucléaire. Et puis j'aime beaucoup la formule de Ponge qui parle de la rage de l'expression, en effet, parce que je me dis que c'est le meilleur moyen d'être en colère pour un écrivain, c'est d'être en colère pour essayer de qualifier le mieux possible les états de réel, d'exercer sa colère contre l'inattention, d'être scrupuleux, comme on disait tout à l'heure, à force de colère. En colère quand il a l'impression qu'un état de réalité est maltraité jusque dans la parole. Peut-être que j'essaye de m'en convaincre, mais en tout cas, oui, je suis très redevable à beaucoup de poètes dans leur souhait de bien, disons, de pas faire les malins avec la parole, de pas faire les malins avec le réel. En vue de notre entretien, j'avais pensé à un petit texte d'Olivier Cadio que j'aimerais bien lire, si vous êtes d'accord. Bien sûr, avec plaisir. Un petit texte qui est dans un petit, grand, merveilleux texte qui est dans l'histoire de la littérature récente. Cadio, je l'apprécie beaucoup parce que c'est vraiment un écrivain de la phrase qui
Voilà, qui pense lui aussi le fait d'écrire en termes d'étirement, même presque physique, il faut assouplir les muscles, les articulations pour être capable de dire mieux et de dire plus. Alors, au moment où je vous dis ça, je ne trouve plus mon texte qui s'intitule Espéranto. J'espère que je vais le retrouver. J'aurais dû noter la page. Espéranto. Des gens traversent la mer à 50 dans un zodiaque. On va les faire parler. On va les représenter. Des acteurs rejouent les récits des survivants. Quelquefois, ils le font à la première personne et réussissent à transmettre une partie de la douleur. C'est souvent très proche, heureusement. Quelquefois trop, trop profond, pas assez en surface. On s'enfonce dans l'humain comme dans une caverne. Ça défigure et il n'y a plus personne. On ne les traduit pas de leur langue maternelle, on les oblige à parler la nôtre et on fait entendre respectueusement leurs erreurs. Ça, c'est vrai. On fait des accents, par exemple, quand on représente les vies migrantes. Bizarre admiration. On transcrit les bégaiements, les souffles, les rythmiques. On fait les chamans sur scène, on pousse des cris, on est échevelé au milieu des tempêtes. Ou le contraire, et il y a un silence de mort. On oublie les immenses circonvolutions de chacun au milieu de sa douleur. Comme le dit une écrivaine autrichienne très récemment, plus rien chez nous, dit un suppliant qui demande l'hospitalité, ne fait objet de connaissance. La question qui restera entière est la suivante. Faut-il un style pour ça, pour refaire connaissance? Un style n'est-ce pas trop littéraire, comme on dirait trop apiculteur ou chauffagiste, trop spécial? Après, si on tient au mot, disons un style avant, pas après. Ce n'est pas le moment où l'on viendrait polir sa phrase comme un bon marbrier, ce serait au début, un style d'être, une manière d'être à plusieurs tout seul, une manière de s'engager dans l'affaire dès la première ligne. Il faut au moins des mots triples, trois adjectifs pour chaque mot, rajouter des adverbes, ouvrez des incises, ne faites pas des poèmes sur eux. Ni minimaliste, ni répétitif, ne dites pas je à leur place. Traverser la mer avec un enfant dans les bras, ce n'est pas une performance. Arrêtez l'art, parlez chiffres, faites des plans, des frontières, des cartes de l'argent qui transite, des pourcentages de haine, des plans de village, déchiffrez les codex. Enregistrez ces naufragés dans leur langue et traduisez. Ne les faites pas bégayer dans la vôtre. Vous voyez, ça me fait bégayer de le dire. Ne les faites pas bégayer dans la vôtre. Traduisez, interprétez comme une parole aussi pleine de sous-entendus et de surentendus que la vôtre. Toute parole est aussi pleine de sous-entendus et de surentendus que la vôtre. Envoyez des exégètes en mission sur les phrases d'aujourd'hui. Décelez le plus haut point de complexité de chacun. C'est ça, considérer. Décelez le plus haut point de complexité de chacun. Placez des micros pour entendre derrière les murs. Envoyez la troupe. Celle des philosophes, traducteurs, médecins, anthropologues, économistes, historiens, archivistes et personnes sans profession au chevet de ces paroles. Il faut envoyer la troupe de tous ceux qui veulent faire connaissance au chevet de ces paroles. Et j'aime énormément ce texte d'Olivier Cadio parce je pense qu'il répond. Il répond à l'appel qui fait qu'aujourd'hui on ne devrait parler que de ça. Et en même temps, il prend position, il prend acte de l'impossibilité de parler bien. On peut pas se mettre dans une situation confortable de parole en se disant, bon, bah, j'ai fait mon petit texte sur la situation migrante, je suis quitte. Non, il y a pas de manière de s'installer correctement dans la parole. Il faut s'envoyer tous au chevet de ces paroles. Il y a toute une belle réflexion autour justement de ce que c'est que faire la parole et savoir qu'on ne va pas parler à la place d'eux, on ne va même pas parler pour, on va peut-être parler vers les lecteurs, ceux qui comme nous sont du bon côté social, disons. Tout ce travail poétique, en fait, qui consiste à se demander ben, que font nos phrases, à qui on les adresse. Toujours à la fois avec scrupule et audace, scrupule justement ne pas croire qu'on puisse parler à la place de pour, etc. Mais audace, ça veut dire
ne pas lâcher la nécessité d'accompagner des états de réalité à force de paroles, d'échanges. Voilà. Ben, merci pour ce beau cadeau, en tout cas ce beau texte. Alors c'est Avec vrai que plaisir. ça fait une belle transition aussi avec cette question, enfin quand il évoque la question de la représentation, de la traduction, Oui. parce que vous l'évoquez, hein, dans Sidérer, considérer, rendre compte sur la scène artistique de la réalité des migrants, Oui. ça soulève des questions ténues de langue, de légitimité. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire de parler des migrants? Est-ce que c'est parler en leur nom, à leur place, avec eux? Et vous pointez même le risque que des artistes qui jouent à leurs heures les exilés, là je vous cite, mettent en scène davantage leur posture que la situation dont ils s'inspirent. Comment les artistes peuvent-ils s'y prendre alors pour documenter? Oui. Alors, et pas que documenter, ça rejoint ce que vous Oui. venez de dire, mais pour nous Oui. transmettre aussi cette Oui. réalité des vies des migrants. Ouais. Dans ce risque, je m'y mets moi aussi. Hein. Oui. C'est-à-dire, je ne fais pas la leçon, enfin, j'espère, ou alors je fais la leçon à une partie de moi-même qui justement prend ce risque-là. Cette gêne et même cette colère, elle m'est venue à force de voir dans des lieux d'art des rendez-vous publics pleins de bonnes intentions et de désir à la fois d'informer et de faire paraître sur la scène, devant un public, ce qu'on n'entend pas, ce qu'on ne voit pas. Mais j'ai rarement eu affaire à des dispositifs qui échappaient à quelque chose qui met dans une sorte d'impasse, qui est que sur une scène, on convoquait des réfugiés, des exilés, des gens en situation d'être refoulés. Et la plupart du temps, on les convoquait à titre de témoin. À titre de témoin pour raconter leur histoire, faire état de leur histoire, et un peu comme si toutes ces histoires étaient au fond interchangeables. Et ce qui me frappait aussi, c'était le peu de cas qui était fait de la réalité de la parole. C'est-à-dire, par exemple, si, alors souvent c'était des hommes, et souvent c'était des hommes noirs, et souvent ils parlaient pas forcément bien français, mais ce qui me frappait, c'était que, par exemple, si le micro marchait pas bien, ou si on n'avait pas bien compris quelque chose qui était dit parce que justement il y avait une difficulté dans la langue, personne n'osait interrompre. Et je me disais, cette parole, elle n'est pas interrompue, mais si elle n'est pas interrompue, c'est parce qu'elle n'est pas vraiment écoutée. C'est-à-dire que les gens, ils sont là pour occuper la place du témoin, celui qui va raconter l'histoire, alors que les autres autour étaient là à titre de... ceux qui allaient proposer de la pensée ou de la connaissance. Et j'ai immédiatement détesté ce type de dispositif, en fait, où sous couvert de respect, justement, on laisse quelqu'un bégayer dans notre langue et on le prive de tous les sous-entendus, surentendus, comme le dit Cadio, de sa parole. Faire parler, laisser parler, au contraire, à l'inverse, se dire, eh ben, ça ne veut rien dire laisser parler ou donner la parole, parce que la parole, ce n'est pas quelque chose que j'ai et dont je fasse l'aumône à quelqu'un d'autre. Il faut des conditions pour la parole. Ce n'est pas parce qu'on dit, tiens, prends la parole, que la parole peut être prise. La parole, elle se constate là où elle existe. Et parfois, la seule chose qu'on constate, c'est qu'on a mis quelqu'un en situation d'être presque silencieux ou d'être en faiblesse, en état de faiblesse dans la parole. Donc voilà, c'est en s'y mettant tous, en se disant, bah, c'est le rendez-vous que notre moment a avec la politique, c'est de savoir que c'est à propos de ces crises qu'on peut avoir envie de s'y mettre avec la parole, mais jamais en ayant l'impression satisfaite d'avoir bien dit, plutôt en étant soucieux de continuer.
Je pense que ce sera le mot de la fin, justement, sur cette intention-là politique. Et je vous remercie infiniment, Merci à vous. infiniment d'avoir accepté cet entretien. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci. Bonjour Moïse Touré, Bonjour. j'ai le plaisir de vous accueillir, si je puis dire, vous accueillir du moins numériquement, et pour un entretien à la faveur de la clôture du Tour des territoires que l'Observatoire des politiques culturelles a mené au cours de l'année 2020 et qui déborde un peu sur 2021 du fait de la situation sanitaire. Alors Moïse Touré, vous êtes metteur en scène et directeur artistique de la compagnie Les Inachevés, basée à Grenoble. Vous êtes né en Côte d'Ivoire et êtes arrivé à Grenoble à l'âge de 12 ans. C'est une ville qui devient votre base arrière, si je puis dire. Mais vous êtes surtout un artiste voyageur et qui multipliez les collaborations artistiques et faites dialoguer le proche et le lointain. Vous installez donc en 1984 votre compagnie dans le quartier de la Villeneuve de Grenoble, quartier qui reste tout au long de votre parcours, j'ai l'impression, un territoire d'action privilégié. Vous mettez en scène notamment des textes de Bernard-Marie Koltès ou Marguerite Duras, Jean-Paul Sartre ou Jean-Marie Gustave Le Clésio, toujours dans un souci de partage et de dialogue culturel et interculturel, de réflexion sur la langue, le territoire, les identités, et dans un souci, dites-vous, de lier les formes mêmes de votre travail aux circonstances et aux réactions locales. Entre 2000 et 2003, vous êtes artiste associé à la scène nationale de Guadeloupe. Vous le serez ensuite à Bonlieu Scène nationale, à Annecy. Puis, vous créez en 2012 l'Académie des savoirs et des pratiques artistiques partagées intergénérationnelles, projet sur lequel nous reviendrons et qui constitue une nouvelle perspective de votre aventure artistique. En 2020, à partir de 2020, vous questionnez la notion d'hospitalité avec pour acte fondateur la création de la pièce La nuit sera calme, avec comme matériau de départ les textes de Jacques Derrida et Anne Dufour-Mantel. Cette thématique de l'hospitalité guidera votre travail de la compagnie, votre travail et celui de la compagnie jusqu'en 2023. Voilà, alors je voulais d'abord vous interroger sur ce mot hein, d'hospitalité que vous mettez donc en valeur actuellement dans vos projets et vos mises en scène. Et bon, qui semble être un peu mise à mal dans notre contemporanéité, d'un point de vue concret. Alors, votre travail là témoigne bien sûr d'un souci et d'un endroit de résistance à ce sujet. Et j'ai une question un peu vaste, mais comment finalement, au fur et à mesure de toute votre activité, de vos travaux, vous avez pu tenter d'articuler identité et altérité, et identité et hospitalité finalement? Grande question, Grande question, oui. grande question, mais en même temps assez simple, parce que je crois que sans le vouloir, parler de l'hospitalité était pour moi de revenir à mes origines, d'abord à mon enfance, qui était une façon très simple et très précise de questionner cette enfance où la question de l'hospitalité était déjà posée. En tout cas, le souvenir que j'en ai, c'est-à-dire que cette question de l'hospitalité était au cœur de mon quotidien d'enfant. Il y a ça, et puis après, bien sûr, l'enjeu de l'altérité, l'enjeu de l'identité et ma propre réalité, c'est-à-dire comment je fais ce passage d'une tradition africaine très profonde à une forme de modernité quand j'arrive, ce choc de la rencontre entre la modernité française et européenne que je rencontre. Donc il y a aussi cette interrogation qui part toujours, en fait, toutes ces questions partent toujours de mon corps, de mes ressentis, et que d'une certaine manière, même si ça ne se voit pas, je vais chercher à les amplifier, à les interroger, à les mettre en discussion, en débat,
à la confrontation et à trouver des formes pour rendre compte de ces questions qui partent de l'intime vers, vers la communauté. Je crois que le mot commun de toutes ces cultures que j'ai traversées ou vécues, c'est l'humanité, c'est-à-dire comment, à un moment donné, la préoccupation des hommes et des femmes reste quand même comment faire, comment dire, comment vivre son humanité. Je crois que c'est une des grandes questions qui traverse. Il y a des diversités de cultures, il y a des diversités de pratiques, il y a des diversités même de points de vue du monde, mais il reste une chose est le socle que nous partageons, que je retrouve partout dans tous les voyages, dans toutes les rencontres. C'est la question de l'humanité. Et comme cette question de l'humanité est d'une certaine manière, est de dire qu'on ne naît pas humain, que c'est un apprentissage, donc chaque culture développe effectivement des enseignements, des éducations, des protocoles d'apprentissage pour aller vers cette humanité, produisent de la culture, produisent de la poésie, qu'importe les formes. Mais la question fondamentale qui est, c'est effectivement cette humanité renvoie à l'altérité. Puisque si je reconnais l'humanité de quelqu'un, ça veut dire que je reconnais son altérité. Et ce va-et-vient, ce voyage de va-et-vient qui fait qu'à un moment donné, quelque chose est possible, peut s'articuler. Et que, d'une certaine manière, l'art, c'est ça. L'art, c'est reconnaître la différence pour pouvoir enfin commencer un dialogue ou un échange ou une rencontre ou une contradiction. Quelque part, je pense que ce que je croyais fondamentalement différent en venant d'Afrique à 12 ans, je retrouve que non, que cette différence, elle est dans, bien sûr, dans les couleurs, dans les façons de le dire, les façons d'agencer les choses, mais que fondamentalement, les choses sont de l'ordre de ça. Que les discussions, quand j'ai 12 ans, les discussions que j'ai avec Amadou Ampateba en Afrique, qui me raconte les légendes peules de l'enseignement, de l'apprentissage, de la transmission, eh bien, je retrouve d'une certaine manière auprès des maîtres européens que j'ai rencontrés, que ce soit Vassiliev à Moscou, Heiner Müller à Berlin, Ranconi en Italie, Grotowski en Pologne, des êtres comme Lavaudan ou Chéreau en France. Je retrouve ces mêmes questionnements, même si les formes diffèrent. Et d'ailleurs, pour continuer sur la question de l'humanité, d'une certaine manière, l'intitulé de la rencontre hein, pour une politique de la relation à l'occasion des 30 ans de l'OPC fait bien évidemment écho à la notion de poétique de la relation chez Édouard Glissant. Et vous avez donc été, je l'ai dit, notamment artiste associé à la scène nationale de Guadeloupe. Et comment cette expérience et aussi la lecture des penseurs de la créolisation plutôt que de la créolité, pourrait-on dire, ont pu nourrir votre réflexion autour de la relation, finalement? Mais ça a été d'abord ce travail, cette présence en Guadeloupe, c'est parce que voilà, la scène nationale a été fondamentale pour moi, parce que je pense que j'étais à un moment de mon travail, je venais de faire l'expérience d'un grand théâtre français, puisque j'étais à l'Odéon avec Georges Lavaudan. À la suite de cette expérience avec Georges Lavaudan, on m'a proposé d'aller effectivement travailler en Guadeloupe. Et là, effectivement, je retrouve un territoire, je retrouve des questionnements fondamentaux de ce que c'est que le théâtre, sa forme. Et là, il y a un choc aussi, puisque je m'aperçois que l'idée qu'on se fait du théâtre, nous, vu de la métropole, comme on le dit, là-bas, c'est d'autres questions poétiques qui sont posées. Mais qui sont posées dans les formes, comme par exemple le groka, qui est un tambour guadeloupéen, les chants, par exemple, une série de questions. Et d'autres questions qui sont posées, qui étaient mises à poser ici, c'est la langue, la question de la langue. Qu'est-ce que c'est que le créole? Est-ce que c'est une langue des marchés, très gentille pour les touristes, ou est-ce que c'est une vraie identité? Est-ce que ça raconte quelque chose de l'identité guadeloupéen, caraïbéen? Et là, c'était formidable, c'est que des intellectuels, des auteurs comme Confiant, Poulet, qui est un auteur de là-bas, m'ont accompagné à faire ce dialogue entre les deux langues, entre la langue française et la langue créole.
Et c'est là où on a commencé cet atelier, cette fabrique de traduction de textes français en créole, et que les auteurs puissent dialoguer, comme Confiant a pu dialoguer avec Le Clésio, Poulet a pu discuter avec l'œuvre de Coltès, en fait, une série de questionnements. Et après, une deuxième question qui avait été posée, c'était la question du public, c'est-à-dire que comment, à un moment donné, dans cette île, la question du public par rapport à la fréquentation d'un lieu institutionnel qu'est le théâtre, comment pouvait s'articuler ça? Donc là, ça a été aussi, bien sûr, de trouver des formes, de trouver des formats, de trouver des protocoles de rencontre avec le public, et qui ne soient pas simplement dans un théâtre d'un point de vue frontal. Et puis, d'une certaine manière, travailler sur la poésie, qui est quand même au cœur de la vie des gens là-bas, que ce soit dans le chant, dans les textes, travailler sur le matériau poétique qui a été aussi déterminant. Donc, vous voyez, ça a été une sorte de révolution du rapport même au théâtre dans sa forme telle qu'on l'imaginait, et même dans son déploiement auprès d'un public. Donc voilà, ça a été très, très heureux, et avec effectivement un acte très fort qu'on a eu à la fin, quand le Théâtre de l'Odéon, avec Georges Lavaudan, a invité l'ensemble de la Caraïbe à l'Odéon. Et là, je peux vous dire que ça a été un moment extraordinaire, très fort, fondateur, de mettre au centre la périphérie, puisque ces îles sont considérées comme la périphérie de la France, mais de les mettre au centre dans un théâtre national, ça a été un acte à la fois politique et poétique qui a été ressenti par les gens de l'outre-mer comme un acte de reconnaissance à la fois culturelle et à la fois d'identité. Alors, nous sommes déjà là au cœur de la question du théâtre. Alors, le théâtre qui est souvent vu, puisque art vivant, comme un art de la relation, relation entre un texte et son auteur, avec un texte et son auteur, relation entre le plateau et la salle, les mêmes relations, partage collectif au sein même du public, même si on pourrait questionner ce point. Alors, justement, vous en avez déjà donné quelques exemples, mais qu'avez-vous un peu constaté comme modalité commune et éventuellement différente de relations, au sens fort, permise par le théâtre dans les différents espaces culturels que vous avez, dans lesquels vous avez navigué? Et en somme, en fait, pour la question, c'est comment fait-on théâtre ici et ailleurs, et fait-on théâtre différemment, et quelle expérience vous avez de cela? C'est quand même un peu le cœur de votre travail. Oui, au cœur de ça, je crois que ça rejoint un peu votre thématique d'origine, qui est la relation. Ouais. Je pense qu'au cœur du théâtre, il y a la relation. Donc, dans tous les pays ou dans tous les lieux où j'ai travaillé, l'idée, c'était avant d'attaquer, il y avait deux choses, il y avait une chose qui était préalable, c'était de comprendre le système relationnel d'un pays, d'une culture, comment se met en place la relation. Et quand on a saisi ça, il y a une deuxième partie du travail qui est la langue. Qui est la langue parce que, bien sûr, il y a la réputation du théâtre qui est de dire que le théâtre n'est pas exportable puisqu'elle charrie de la langue, et donc du coup, la question de la traduction par rapport aux uns ou aux autres. Ouais. Je crois qu'effectivement, si j'ai pu travailler dans différents territoires, c'est que j'ai posé la question de la langue comme préalable. Et la langue parlée des gens, la langue dite par les gens. Donc, relation, langue. Et quand on arrive à articuler ces deux choses, se pose la question de la forme, du format, de la convocation du public. Là aussi, c'est par la relation qu'on arrive à trouver dans chaque culture, dans chaque territoire, la forme qu'il faudrait et la façon de convoquer un public à un endroit. Par exemple, je dirais, il y a des endroits où faire théâtre, on ne peut pas le faire le soir. C'est comme un contraire à la possibilité de relation. Donc, or que nous, le théâtre est une boîte noire exprès, pour la lumière, pour tas de choses, et qu'on n'imagine pas, dans la pensée profonde comme ça du théâtre, quelque chose qui se ferait que la journée. Donc voilà, des situations comme ça qui montrent que les formats, les formes, les poétiques du théâtre bougent, sont toujours traversés d'une certaine manière, là c'est commun, à la question poétique. C'est-à-dire que s'il n'y a pas, la poésie n'est pas au cœur de l'œuvre
Et là, il y a un désintéressement, ça on peut le dire. Et ça, je l'ai remarqué, quel que soit le pays, quelle que soit la langue, quelle que soit la forme, le fait poétique reste aussi, comme le fait de l'humanité, reste des constances, que je retrouve au cœur des questionnements que j'ai pu croiser. Donc, du coup, la question de la relation, elle est vraiment fondamentale pour établir un rapport au théâtre. Non, merci, c'est très éclairant, ouais, ce sujet-là. Oui. Autre sujet ou nouveau développement en fait, de votre travail, vous avez créé donc, en 2012, je l'ai dit, l'Académie des savoirs et des pratiques artistiques partagées et entre parenthèses intergénérationnelles. Vous me direz peut-être pourquoi ces parenthèses. Vous dites que l'Académie, ce n'est plus seulement de produire des spectacles, mais c'est interroger la société d'une manière inédite, car c'est un désir social qui habite la communauté et pas seulement un désir de divertissement. Ça, c'est vos propres mots. Alors, même si vous avez peut-être commencé à en parler, mais est-ce que vous pourriez me donner des exemples de modalités d'action, finalement, que l'Académie s'est donnée et qui viendraient illustrer ce propos d'une Académie qui ne serait plus là, évidemment, seulement pour produire du spectacle? Mais c'est une réflexion aussi sur le lieu théâtre. Je pense que quand on crée l'Académie en 2012 avec Jacques Pruner, qui a été mon dramaturge décédé il y a 2 ans, on a cette idée que comment habiter le théâtre? Parce que le théâtre, bien sûr, est un lieu de travail, un lieu d'accueil, un lieu de réflexion, un lieu de divertissement, pourquoi pas, mais que le lieu théâtre doit trouver d'autres articulations. Parce que, pourquoi? Parce qu'il y a, bien sûr, dans la population, certains vont au théâtre pour voir des spectacles de danse, de musique, de théâtre ou autre. Et puis des gens ne vont jamais. Ils ne vont jamais, mais la considèrent comme quelque chose d'important. Mais n'ont pas de pratique, en tout cas pratique culturelle, de ce lieu. Donc, est-ce qu'on qualifie ce lieu uniquement par sa pratique au sens strict des activités que je viens d'énoncer, où nous travaillons sur l'idée qu'elle pourrait traverser un imaginaire, qu'elle pourrait travailler l'imaginaire des gens, qu'elle pourrait devenir un référent et d'une certaine manière, qu'elle pourrait devenir un lieu d'hospitalité. Donc, pour faire ça, pour faire ce travail-là, donc on est obligé de quitter le cadre traditionnel de production, de spectacle, d'un certain nombre de choses. Donc, il faut trouver effectivement d'autres formats, d'autres protocoles, d'aller à la fois produire des formes qui n'ont rien à voir avec la représentation théâtrale ou de danse dans une salle, et trouver aussi le moyen de convoquer un public, une réalité au théâtre. Donc, c'est ce travail de va-et-vient qui fait que tout d'un coup, quand on articule, par exemple, quand je fais Promesse Factory à Annecy, par exemple, où je travaille avec une 50aine de femmes pendant 1 an, c'est-à-dire que je demande au théâtre enfin de se réadapter à la réalité des gens, pas le contraire. Un exemple, par exemple, c'est que les femmes venaient au théâtre en fonction de leur emploi du temps. Ils ne venaient plus parce que le théâtre les convoquait à 11h ou à 10h ou à 16h. Le théâtre s'était réadapté à la réalité de ces personnes-là. Parce que vous travaillez comme infirmière ou vous travaillez comme caissière quelque part, vous avez des horaires, vous avez des contraintes. Vous avez des enfants, vous avez des contraintes, vous avez un certain nombre de choses. Donc, on a travaillé à partir de ces contraintes pour dire que voilà, le théâtre était en mesure de mettre en place un protocole d'accueil et de relation avec ces femmes liées à ces contraintes ou en tout cas liées à ces problématiques-là. Donc, l'ensemble du théâtre s'est mis au diapason des techniciens, de l'accueil, des artistes. Donc, j'ai demandé aux artistes d'être à la fois accueillants jusqu'au plateau, c'est-à-dire que le plateau devient un lieu d'accueil, un lieu d'hospitalité. Ce n'est plus simplement un plateau de théâtre, mais c'est un espace d'hospitalité. Et donc, voilà, donc on a mené cette expérience pendant 1 an, et je peux vous dire que ça a bouleversé même ma façon de travailler après. Ça rendait compte de quelque chose qui était que ce n'est pas que les gens ne veulent pas aller au théâtre, c'est simplement que les modalités, une fois de plus, de la relation, les modalités de la convocation, les conditions même matérielles de cette convocation, comment on la travaille, comment on la met en jeu.
Et ça a été en tout cas une sorte de révolution dans le théâtre. Et je crois que ça a laissé des traces aujourd'hui à Annecy. Quand on voit Annecy, on voit une diversité dans ce théâtre. Et je crois que c'est lié à tout ce travail qui a été mené depuis une dizaine d'années quand j'ai été artiste associé à Annecy. Grand merci, Moïse, pour cet échange, pour ces propos. J'allais vous demander un petit peu comment vous alliez, comment vous voyez les prochains mois, si on peut les voir. Qu'est-ce qui se passait pour la compagnie, pour vous, dans ce contexte? C'est important aussi. Mais je pense que c'est, en tout cas pour moi, c'est un moment de travail intense, beaucoup, parce que je crois qu'il ne faut pas se laisser impressionner par ce qui nous arrive. Il faut au contraire se dire que ça nous oblige à repenser, à retravailler. Vous parlez de relations. Je pense qu'on vient de voir, les théâtres sont fermés, les bibliothèques, avec tous les lieux de rencontre, les lieux de tissage de liens n'existaient plus, les bars, les restos. En fait. Et on s'aperçoit que ce n'est pas possible. Comment dire, que c'est inhumain quelque part. Donc, si on vit cette inhumanité-là, ben, il faut qu'on prépare l'humanité qu'on souhaiterait encore amplifier. Il faut amplifier encore cette humanité. Donc, pour amplifier cette humanité qui, j'espère, va arriver, il faut travailler, il faut penser, il faut peut-être corriger des choses qui ne vont pas dans notre rapport aux uns aux autres, dans notre rapport à la poésie, dans notre rapport aux lieux, justement, comment réhabiter ces lieux-là différemment. Et c'est pourquoi le projet de l'hospitalité est au cœur de ces questions-là. Comment, grâce à ce projet de l'hospitalité, on est en contact permanent avec les uns et les autres pour réfléchir, que ce soit par rapport au plateau, que ce soit hors plateau, que ce soit par rapport à des populations, de l'hôpital, de la question de la santé, la question des centres sociaux, la question de la jeunesse. Enfin, toute une série de questions qu'on avait un peu, d'une certaine manière, je ne dirais pas oubliées, mais mis un peu en arrière-fond, eh bien, peut-être c'est l'occasion de les remonter en première intention. Pourquoi? Parce que tout ça raconte le lien, tout ça raconte la relation, tout ça raconte qu'au final, il n'y a pas d'humanité sans relation. Et que donc, c'est un temps qui n'est pour moi un temps intense, d'intense activité, à la fois intellectuelle et à la fois de réfléchir au format, aux rencontres. Et puis, il y a aussi, bien sûr, que ça fait des dégâts. Il y a aujourd'hui dans nos pays et dans notre pays des immigrés, des migrants, des gens hors circuit pour X raisons. Et bien là, comment on s'adresse à eux? Comment on fait communauté ensemble? Comment on fait humanité ensemble? Donc voilà, je pense que tout ce qui nous arrive aujourd'hui nous oblige à ne pas se laisser aller, au contraire, de se dire on peut faire mieux pour englober encore, pour ouvrir encore, pour aller le plus loin possible par rapport à nos capacités, à nos moyens. Merci beaucoup, Moïse, pour ce propos qui donne du mouvement. Et bonne suite à vous. Merci. Merci. À vous. Au revoir. Donc, bonjour Joël Zask, vous êtes philosophe, vous enseignez à l'université Aix-Marseille et vous proposez une pensée singulière sur les conditions d'une culture démocratique partagée. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont dernièrement un ouvrage intitulé « Zoo Cities, des animaux sauvages dans la ville ». Merci chaleureusement Joël Zask d'avoir accepté cet entretien pour cet événement en ligne organisé par l'Observatoire des politiques culturelles sur le thème de la politique de la relation. Pour commencer notre entretien, votre travail philosophique se déploie à travers l'examen de plusieurs objets d'étude, l'art, l'éducation, l'Internet, la ville, l'agriculture ou encore les feux de forêt. Si vous deviez tirer un fil conducteur qui traverse votre œuvre et articule ces différents sujets, quel serait-il?
Alors, je dirais que tout converge vers la question du maintien des habitudes démocratiques dans nos pays, dans lesquels finalement la démocratie en tant que régime politique est toujours très fortement menacée. On a eu pas mal d'exemples ces temps-ci. Et du coup, j'aborde un certain nombre d'objets qui peuvent rendre sensible notre responsabilité par rapport au monde, par rapport à autrui, par rapport aux animaux, par rapport aux autres êtres vivants, par rapport à notre environnement. Et je pense que j'ai puisé cette problématique dans le pragmatisme, la philosophie pragmatiste américaine, et notamment John Dewey, dont je suis spécialiste, qui est le plus politique de tous les fondateurs du pragmatisme américain, et pour qui justement la démocratie, c'est un régime qui fait reposer une responsabilité très forte sur le dos de chacun d'entre nous. Il y a quelque chose à faire pour notre démocratie, et pas seulement quand on vote, quand on glisse un bulletin dans la boîte, mais au quotidien, dans la vie ordinaire, dans nos relations de travail, dans nos relations avec nos enfants, dans nos relations avec l'hôpital, etc., etc. Donc dans le quotidien, comment la démocratie, ou quelque chose qui a à voir avec la démocratie, ou plus exactement avec la consolidation, je dirais, culturelle de la démocratie, comment cela va-t-il pouvoir prendre d'une certaine façon? Et c'est la raison pour laquelle finalement tous mes objets sont comme des tremplins pour revisiter cette question à travers des problématiques contemporaines, à travers des sujets qui intéressent ou qui interpellent les gens. Alors voilà, ça c'est déjà un premier fil. Et puis l'autre fil, moi qui me mobilise beaucoup, c'est comment dire, c'est de déceler les raisons pour lesquelles des phénomènes très massifs parfois restent invisibles pour beaucoup d'entre nous, en tout cas pour les médias, pour les politiques, parfois pour les acteurs directement concernés. Par exemple, le mégafeu, par exemple, l'arrivée massive d'animaux sauvages dans les villes. Alors, ce n'est pas visible pour tout le monde, évidemment, mais disons, dans l'espace médiatique, dans l'espace de la communication, dans l'espace des grandes problématiques contemporaines, bah, c'est des sujets qui sont un peu éthérés ou qui ne sont pas des sujets. Vous avez travaillé la notion de participation telle qu'elle se configure dans de multiples activités sociales. Et vous en distinguez plusieurs aspects dans le fait de prendre part, de contribuer et de bénéficier. Alors, en quoi ces trois figures de la participation constituent-elles différentes manières de se relier aux autres? Je me suis emparée de cette notion, participer, participation, qui était là pour le coup très mise en exergue, voire portée au pinacle, mais accompagnée d'une forme de cécité concernant je dirais, les attendus, les exigences, les conditions auxquelles une participation véritable est possible. En particulier, on a beaucoup à l'époque, c'était il y a une bonne dizaine d'années, la participation, depuis déjà 20 ans d'ailleurs, pendant une bonne dizaine d'années, avait été un peu réduite à pas grand-chose, c'est-à-dire, surtout quand elle est passée dans les politiques publiques, à mobiliser les citoyens pour qu'ils légitiment après coup un dispositif à la confection duquel ils n'avaient absolument pas pris part. D'ailleurs, dans le domaine de l'art ou de la culture, énormément de spectacles dits participatifs ont beaucoup consisté finalement à utiliser le spectateur comme activateur de l'œuvre, et pas du tout comme co-constructeur, enfin, coopérant en quelque sorte, ou participant au sens fort à l'œuvre elle-même. Et donc on a vu apparaître des injonctions de participation, en particulier au niveau des politiques d'aménagement du territoire et des politiques européennes, qui ne disaient absolument rien aux gens et qui bah, suivaient un peu la méthode dénoncée en son temps par Bourdieu à propos des sondages d'opinion publique. Savoir qu'on demande aux gens, on leur pose des questions qu'ils ne se sont jamais posées, on leur demande de participer à des questions auxquelles ils ne comprennent pas nécessairement quelque chose, n'ayant pas été préparés, disons, à leur compréhension, à leur intelligibilité, à leur connaissance, et ce qu'on appelle des impositions de problématiques, en fait. Et donc, on se retrouvait avec, bah, disons, participation piège à con. Enfin, c'était quand même le slogan qui revenait de plus en plus fort. Et moi, je me suis dit que, en fait, la démocratie sans la participation, ce n'était pas vraiment de la démocratie.
et que justement, d'un point de vue culturel, d'une part, il y avait lieu de valoriser la participation, mais à partir d'autre part de la mise en évidence de ce qu'elle constituait véritablement le, je dirais, l'ADN des pensées démocratiques à leur origine. Le prendre part, je l'ai surtout distingué du faire partie, et en ce sens, il est vrai que penser les relations sociales ou politiques, peu importe, les relations, les interactions humaines sous l'angle du prendre part, évite toutes sortes de biais qui accompagnent nos théories sociales et politiques depuis extrêmement longtemps, à savoir que, en gros, pour être pleinement, sincèrement, authentiquement le membre d'un groupe, il faut abandonner quelque chose de son individualité et fusionner avec les finalités logées dans le groupe ou ses valeurs incréées ou sa vérité révélée ou des choses comme ça. Et cet absolutisme-là est complètement incompatible avec le prendre part. Et c'est la raison pour laquelle j'ai utilisé cette forme en jouant sur le sens du mot part, voilà, pour distinguer de faire partie. Le faire partie suppose, alors il y a mille façons de faire partie, mais suppose qu'on, d'une certaine façon, pour parler comme Kant, qu'on n'est plus une fin en soi. Hein, donc on est un moyen de l'existence d'une entité qui nous dépasse et qui, rétrospectivement, nous confère un rôle, nous confère une identité, comme on dit aujourd'hui. C'est ça, l'identitaire, c'est l'idée que finalement, dans la mesure où je reconnais telle entité comme la pourvoyeuse du sens de ma vie, alors, je vais y adhérer, mais c'est absurde. Enfin, je trouve que en tout cas, ce n'est pas des manières démocratiques, enfin, en tout cas compatibles avec l'esprit démocratique de s'exprimer, voire de sentir. Donc ça, c'était pour le premier aspect. Le second, et donc, je dirais, le prendre part est tout à fait banal. On prend part à un repas, on prend part à, je sais pas, une randonnée, une conférence. Ça ne suppose pas un rôle très, très actif, mais ça suppose d'être présent comme une personne, comme personne singulière, à la situation, si vous voulez. Alors, vous avez toutes sortes de configurations, justement, où ça n'arrive plus. Mais je dirais en même temps que, par exemple, les groupes statistiques ne sont pas des groupes dans lesquels les individus prennent part. Ce sont des groupes qui sont créés par devers eux, en quelque sorte. Mais aussi, évidemment, tous ceux qui demandent une adhésion très forte, disons une forme de conversion. Alors, il y en a aujourd'hui par milliards. Hein, donc, ce n'est pas anecdotique du tout. Je pense en particulier, par exemple, à l'évangélisme qui est complètement fondé sur l'abdication de l'individualité et qui gouverne une partie du monde aujourd'hui. Mais bon, donc je pense que valoriser ce prendre part, ça n'est pas non plus valoriser quelque chose de rare, de précieux, de difficile, c'est valoriser quelque chose de complètement ordinaire qui fait un peu, j'ai envie de dire, le sel de l'existence tout simplement et auquel nous sommes tout à fait habitués, mais que nous n'identifions pas comme un des ingrédients fondamentaux de notre vivre ensemble, de ce qu'on pourrait appeler avec Aristote la communauté du bien-vivre. Donc, et cette communauté n'a aucun sens identitaire, au contraire, ou aucun sens organique ou fusionnel. C'est la communauté comme ce qui est créé par des interactions entre des individus. Entre des individus situés et différenciés. Alors, ça m'amène au fait d'apporter une part ou de contribuer, en fait, tout simplement. Là, c'est plus exigeant, c'est plus difficile, mais c'est tout à fait banal également. On a des exemples sociaux, politiques, familiaux, universitaires, à tout bout de champ. Moi, je demande tout le temps à mes étudiants de contribuer, c'est-à-dire d'apporter quelque chose au cours, pas juste d'être de prendre part, mais de contribuer. Ce n'est pas forcément facile parce que justement, la demande de contribution de la part des gens n'est pas une des habitudes qu'on ait prises dans la plupart de nos institutions. On fait des gens plutôt des consommateurs des institutions et pas des co-constructeurs ou des contributeurs des institutions. Enfin, je dis des institutions ou des habitudes, enfin des fonctionnements des groupes en général. Et du coup, disons qu'il y a aussi un élément fondamental de la vie démocratique là, qui est un peu invisibilisé ou voire annihilé, ce qui me semble très, très difficile. Alors, je dirais que la contribution, c'est le fait d'apporter une part relative à ce que chacun a en propre, si vous voulez.
Alors, ça peut être, disons, ce qui m'a intéressé dans l'apporter une part dans la contribution, c'est qu'elle est, elle est exigeante d'un point de vue individuel, mais en même temps, elle est ce par quoi l'individuation a lieu. Elle est ce par quoi, je dirais, d'un point de vue psychanalytique ou psychologique, ou expérientiel, tout simplement, elle est ce par quoi l'individu va se construire. C'est-à-dire que, d'un point de vue des théories de l'éducation, si vous voulez, c'est vraiment, ou des théories de l'expérience, même pragmatistes, disons, c'est par l'intermédiaire de la part qu'un individu apporte et dont il constate les effets sur la configuration de son environnement, par l'intermédiaire de la réaction des autres ou de la réaction matérielle du matériau qu'il utilise, que finalement il va situer à la fois la valeur de son activité et déterminer l'activité future qui est la sienne. Ça me fait venir au troisième aspect, recevoir une part ou bénéficier. Ce qui s'entend bien d'un point de vue économique, mais ce qui s'entend très bien aussi comme la participation aux bénéfices. Mais ça s'entend très bien aussi d'un point de vue politique ou social. C'est-à-dire que clairement, personne ne peut apporter une part, pas même un château de sable ou un pâté de sable, si disons, l'environnement, le milieu, l'entourage qui est le sien ne lui a pas apporté les savoirs, les connaissances, les techniques, les matériaux, les outils qui lui permettent de le faire. Donc, on ne s'improvise pas contributeur. Et ça me semble aussi beaucoup occulté par les théories, enfin, ou les pratiques de la participation en général. J'avais été mobilisée pour une discussion sur l'habitat participatif. Bon, et puis, au cours de la discussion, je me suis rendu compte que les gens qui étaient censés participer, ils n'avaient aucune idée ni de ce que ça veut dire construire, ni de l'environnement, ni de la géographie, ni de ce que c'est qu'une tuile, une brique, un espace, un design d'espace. Enfin, vous n'avez aucune idée. Donc, comment on peut participer en tant que coproducteur d'une unité d'habitation si on n'a pas eu une formation? Et ça, c'est important. Par exemple, Fishkin, qui avait créé dans les années 80 les premiers sondages participatifs, qui sont un peu le coup d'envoi de la démocratie participative, nouvelle mouture, justement, avait beaucoup pensé à ça. Il avait justement créé, sélectionné un échantillon un peu au hasard d'individus à qui il est apporté une formation, et le sondage a lieu avant la formation et après. Il a voulu étudier la différence qu'il y avait entre les deux, sur des sujets très très techniques d'ailleurs, parfois. Alors pour conclure, je dirais que c'est vraiment l'association entre ces trois aspects qui me semble être à la fois... le sens de la justice, aussi le sens de l'écologie, hein, d'ailleurs, et le sens de la démocratie. Et parce que, justement, c'est à partir du moment où une de ces composantes ou de ces phases de la participation n'est pas au rendez-vous, alors à ce moment-là, il se passe quelque chose qui est de l'ordre de l'injustice et qui est un peu fatal, soit pour l'individu, soit pour le groupe. Donc, qui tourne le dos finalement à cette vie communautaire conçue comme une société dont les membres sont actifs et qui contribuent à part égale finalement à la création de leurs conditions de vie. Vous associez dans votre œuvre une partie des dysfonctionnements de nos régimes politiques à la fonction parfois quasi confiscatoire exercée par les experts, par exemple dans le domaine de l'art, de la science ou encore de la protection de la nature. Doit-on en déduire qu'il faut revoir profondément la construction de ce qui est considéré comme relevant de l'intérêt public ou général? Et je vais faire aussi à nouveau un saut en arrière et dire que la figure de l'expert peut être utilement distinguée de la figure du scientifique ou du spécialiste. On a des scientifiques, on a des spécialistes, on a des virtuoses, par exemple, c'est une notion que j'aime bien, la virtuosité, on a des gens qui savent y faire, qui aiment leur métier, mais les experts, c'est tout autre chose. C'est une notion qui apparaît dans les années 1900-1920, à partir du moment où tout le monde s'accorde sur le fait que la politique doit devenir une profession. C'est-à-dire que ce n'était pas le cas jusque dans les années, surtout aux États-Unis, 1860-1880, mais il y a un moment où on va considérer qu'il faut des professionnels de la politique. Et cette professionnalisation de la politique
va s'accompagner du besoin de créer comme des rouages de transmission d'informations dans les deux sens, de publicité dans les deux sens, au sens de Habermas, entre les masses inorganisées et le pouvoir politique au sommet. Et c'est à ce moment-là qu'on crée l'expert. La figure de l'expert, c'est celui qui va justement servir d'intermédiaire entre le public et le gouvernement. L'interposition des experts, si vous voulez, entre le public et le gouvernement est aussi l'une des raisons de la chute de la démocratie participative. Alors, c'est intéressant, justement, le débat Duhamel-Lippmann, hein, qui a fait couler pas mal d'encre ces temps-ci. C'est un débat, justement, qui se situe un peu sur ces questions-là. John Dewey est convaincu, quant à lui, que l'expertise n'est pas la bonne solution pour la sortie hors de son éclipse du public complètement éthéré ou incohérent, qui est celui des années 1900-1920, qui est justement disloqué par ce qu'on appelle à l'époque la grande société, ou la société industrielle, qui est un terme chez Aron. Et donc, c'est déjà un problème. Disons que le problème de l'expertise, c'est que l'expert est celui qui sait par rapport à un public ignorant, par rapport à des citoyens qui doivent écouter la bonne parole et qui sont jugés incapables, de se faire une idée juste des problèmes complexes sur lesquels ou au sujet desquels pourtant ils devraient former une opinion et donc qui doivent faire confiance à un gouvernant sur la base de ce que les experts leur ont dit, quoi, en gros. Et donc, ils se destituent entièrement du rôle de créer la chose publique, c'est-à-dire de définir leurs intérêts, d'identifier les situations à risque, de faire émerger à travers leur propre organisation une science des affaires publiques, en quelque sorte. Alors, ça, c'est un premier problème. L'autre problème, c'est que les experts, si vous voulez, je l'ai beaucoup remarqué, par exemple, à travers mon travail sur l'agriculture ou sur les feux de forêt, c'est que les experts, ils sont spécialisés. Ils sont même ultra spécialisés et que comme ils se substituent en gros à un public composite, justement, ils sont incapables de faire face à des situations très complexes. Le feu de forêt, par exemple, ou le méga-feu plus exactement, qui est un feu hors norme, si vous voulez, c'est un problème évidemment qui est lié à la fois au dérèglement du climat, mais aussi à la destruction des cultures et des gens qui savaient y faire avec les forêts, qui les entretenaient en particulier. Et pour répondre à la question des méga-feux, il faut vraiment une approche pluridisciplinaire, j'ai presque envie de dire universelle. Il faut à la fois des forestiers, des éleveurs, des fermiers, des savoirs traditionnels, mais aussi des géographes, des chimistes, des physiciens, des biologistes, bien sûr, des botanistes, mais aussi des pompiers. Et puis, les habitants eux-mêmes doivent être initiés à savoir quoi faire, quels gestes éviter, comment se protéger, etc. Donc là, on a affaire, et justement, le méga-feu, c'est ce qui m'intéressait, c'est que c'est un objet à partir duquel pourrait se créer ou devrait se créer un public universel et pluridisciplinaire, plurifonctionnel, plurilocalisé. Et c'est précisément ce que l'expertise est incapable de faire. On voit bien même au niveau culturel. C'est-à-dire que l'expertise compartimente les lieux d'action et les compartimentant ne peut jamais que reproduire l'existant et ne peut jamais accompagner les changements. Donc ça, c'est un autre problème. Après, je pense qu'il y a encore un autre problème, enfin il y en a beaucoup, mais j'en citerai encore un, c'est que l'expert n'est pas concerné par les problèmes, il n'est pas touché, il n'est pas bouleversé, il n'est pas concerné. Le concernement, voilà, c'est pas une expression très belle en français, mais elle a été beaucoup utilisée dans les sciences sociales. Donc, il n'est pas affecté par les problèmes au sujet desquels il doit former un avis. Et n'étant pas affecté, je pense qu'il souffre d'un handicap en quelque sorte, d'une insuffisance, presque d'une infirmité par rapport aux personnes directement concernées. Je voudrais vous poser une dernière question. Tout un courant philosophique, mais également esthétique, hein,
se développe aujourd'hui autour d'une analyse de la crise écologique comme crise de nos relations au vivant ou de notre sensibilité au vivant. Alors, comment vous situez-vous par rapport à ce mouvement et en quoi renouvelle-t-il la pensée écopolitique ? Donc là, personnellement, moi, je me suis intéressée à l'agriculture et aux animaux parce que j'ai vu une manière d'entrer en relation avec des mouvements de notre époque qui alimentent en eau, en quelque sorte, mon moulin qui est toujours le même, à savoir comment mettre les gens sur la voie des habitudes démocratiques qui font singulièrement défaut dans notre environnement habituel. Et là, je dirais que, disons que la démocratie est écologique, ou alors ce n'est pas de la démocratie. Le découplage entre la démocratie et l'écologie est quelque chose qui a beaucoup nuit finalement aux idées démocratiques en général. Alors Jefferson, par exemple, qui est un des grands fondateurs de la démocratie, pensait déjà dans une certaine mesure. C'est un immense botaniste, un agronome, je ne sais pas comment dire, quelqu'un, un amoureux des plantes, mais enfin, en tout cas, il a pensé vraiment la ferme comme l'entité démocratique par excellence. Et s'il a affirmé que le cultivateur indépendant est le meilleur des citoyens, c'est justement parce que le cultivateur, le fermier, le paysan, vraiment, le farmer américain développe une relation dialogique avec quelque chose qui n'est pas lui, mais à l'écoute de quoi il se met, c'est-à-dire la terre et les plantes. Je veux dire, les paysans ne font pas ce qu'ils veulent, mais comme le dit, il y a ce texte « Farming » de Emerson, qui est plus tardif, mais qui reprend presque mot à mot certaines intuitions de Jefferson, et qui dit voilà, le paysan, il est l'élève de la nature, qui en est le maître. Il écoute le climat, il écoute la géographie, il ne fait pas ce qu'il veut, mais en même temps, il transforme le paysage. C'est ça l'écologie, je dirais. C'est comment transformer le paysage, évidemment sans le détruire, mais aussi en y contribuant de manière à ce qu'on puisse s'y situer d'une manière significative. Donc, les vivants... alors évidemment, la mise entre parenthèses de cette relation avec le monde extérieur... a connu de très très nombreuses phases et passé par de très très nombreuses techniques, dont l'une que j'ai beaucoup étudiée ces derniers temps, qui est la ville. La ville, dans son l'idéal de la ville, qu'on appelle une cité idéale, et qui n'a rien à voir avec une cité d'ailleurs, l'idéal de la ville, c'est justement de faire sens un environnement, c'est-à-dire de trouver son sens, son fonctionnement, son énergie indépendamment de toute considération environnementale. Donc, le rêve se perpétue. C'est-à-dire que la ville est vraiment, c'est même pas un écosystème, puisque c'est pas du tout un écosystème, puisqu'elle ne produit rien de ce dont elle a besoin, mais va le piocher ailleurs, dans des ressources qu'elle extrait. Et par ailleurs, elle rejette vers l'extérieur tout ce dont elle n'a pas besoin. Donc, l'impact évidemment écologique des villes est juste abyssal. Mais en même temps, aujourd'hui, la tendance dans les villes, c'est au lieu de les transformer en écosystèmes, elles dysfonctionnent tellement qu'on recrée des villes dans les villes en permanence. C'est-à-dire qu'on ferme, des communautés, on ferme des quartiers, on ferme des rues, on ferme des centres commerciaux, on crée des quartiers. Il y avait quand même des quartiers entiers, ce qu'on appelle les BID, les Business Industrial Districts, les BID qui sont achetés par des multinationales, qui font là-dedans, qui recrée à travers beaucoup de caméras, beaucoup de surveillance, beaucoup de murs, beaucoup de barrières, beaucoup de passes, recrée une ville dans la ville. Donc la tendance, c'est un exemple. Mais faire sans l'environnement, sans la nature, sans la bestialité, sans le corps, c'est un vieux rêve de l'humanité qui est déjà très présent dans la direction de la tour de Babel, par exemple, dans la Genèse. C'est précisément ce dont il est question. Donc, c'est une vieille question et je pense qu'y répondre, ça passe par la démocratie en tant que relation vivante et individualisée à l'environnement qui est le nôtre, qui nous est commun. Merci infiniment, Jelzask, pour cet entretien. Merci. Bonne continuation alors.